Salut à tous, c'est Maximus59 et on se retrouve pour faire une vidéo. Même si ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur Minecraft, donc comme je l'ai dit, nous allons faire des vidéos. Désormais, nous allons faire des vidéos que sur Minecraft ou sur des musiques, bon, pour parce qu'en fait malheureusement j'ai des mauvaises qualités sur Kingdom Hearts et d'autres jeux, voilà, mais il n'y aura pas tout, je ne pourrai pas faire tous les jeux tant que j'aurai cette qualité là. Du coup ce que je fais c'est que on va tout simplement avancer et vous me direz en commentaire ce qu'il faudrait que je fasse ou pas. Proposez-moi des jeux vidéo, alors des anciens jeux, parce que je vais peut-être attaquer Resident Evil 1, mais pas tout de suite. Après, je vais faire des musiques. Donc, nous allons attaquer les fours. Donc, on s'en était laissé après les mobs, les invocations d'ailleurs. Bonhomme de neige, je voulais pas présenter malheureusement. Ben, c'est un bonhomme de neige. Grâce au bonhomme de neige, en fait, il tire des boules de neige qui font beaucoup de dégâts aux blizz, mais qui font pas de dégâts aux mobs. Ils ont 4 points de vie. Les golems de fer, je crois qu'ils en ont 40. Ils sont très résistants. Ils peuvent faire beaucoup de dégâts aux mobs, mais c'est un peu dur en fait. C'est que il faut 4 blocs de fer et une citrouille. Après, 2 blocs de neige, c'est moins cher quoi. Mais bon, donc nous allons attaquer au four. Donc, comme vous le savez, on va passer d'abord à tout ce qu'on peut cuire. Alors, avec de la pierre taillée, bon, je vais tout vous montrer comme ça. Alors, donc, on peut chauffer avec des escaliers en bouleau, du sable, alors des escaliers en chêne, je veux dire, des escaliers en bois tropical, des blocs de charbon, des dalles de bouleau, des bois de bouleau, des bois d'épaissia, des minerais d'or, enfin pas des minerais d'or mais des planches de sapin, des plaques de pression. Alors ensuite on peut chauffer avec un coffre, une table de craft, des barrières en bois tropical, de l'argile. Enfin, pas de l'argile, mais des barrières en bouleau, des barrières en sapin, des barrières en chêne, des bâtons, des épées en bois, des pelles en bois, des pioches en bois, des seaux de lave. Et après, par contre, le seau de lave, il est différent. On peut récupérer le seau, mais la lave s'en va. Des planches en chêne, des bois de chêne, après des pousses de chêne, des pousses d'épaissia, des pousses de bouleau, des pousses d'arbre tropical, des bâtons, on l'a déjà fait je crois, des charbons de bois, des houes en bois, des haches en bois, des planches en bouleau, des planches en bois tropical, des bois tropicales, des dalles de chêne, des dalles de sapin, des escaliers en sapin, des dalles de bois tropical. Donc au total, on peut utiliser en combustible 38 objets. J'avais fait là pour éviter de oublier. Donc, alors, avec de la pierre taillée, on peut avoir de la pierre. Avec du sable, on peut avoir du verre. Avec des minerais de charbon, on peut avoir du charbon. Avec des minerais de lapis-lazuli, on peut avoir du lapis-lazuli. Avec des minerais de diamant, on peut avoir du diamant.
avec des minerais de redstone, on peut avoir de la redstone. Avec des minerais de fer, on peut avoir du fer. Avec des minerais d'or, on peut avoir de l'or. Avec des minerais d'émeraude, on peut avoir de l'émeraude. Avec des poissons crus, on a bien sûr du poisson cuit. Avec de l'argile, des briques. Avec du cactus, on peut avoir des verres de cactus. C'est un colorant vert foncé. Avec des blocs d'argile, on peut avoir de l'argile durcie. Avec du bois tropical, on peut avoir du charbon de bois. Avec du bois de boulon, on peut avoir du charbon de bois. Avec du bois d'épaisseur, on peut avoir du charbon de bois. Avec du bois de chêne, on peut avoir du charbon de bois. Avec du minerai de quartz du Nether, on peut avoir du quartz. Avec des patates, on peut avoir des patates cuites. D'ailleurs, je vais un peu baisser la luminosité parce que je me suis rendu compte que vous ne voyez pas grand chose. Avec des poulets crus, on peut avoir du poulet cuit. Ah, au fait, pour information, c'est le seul truc que je sais. Enfin, le charbon et le charbon de bois, ça peut cuire que 6 objets. Les outils en bois, ou tout ce qui est bois, sauf les planches, ou les bûches, ça cuit un objet. Les planches, ça cuit 1,5, les bûches, 1,5. Le seau de lave, ça brûle 100 objets. Voilà, c'est tout ce que je sais. Alors, donc avec du poulet cru, du poulet cuit. Avec du bœuf cru, on peut avoir du steak. Avec des viandes de porc crues, on peut avoir des viandes de porc cuites. Avec, bah c'est bon. Donc, je crois que c'était assez rapide cette vidéo, mais c'était sur les fours, donc il n'y aura qu'une seule partie pour les fours. C'était un peu trop rapide pour moi, je crois. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette petite vidéo qui présentera les fours. Donc, on se retrouvera pour la prochaine fois sur une vidéo qui utilisera l'enchantement. Bien sûr, le seul problème, c'est que je n'ai les potions qui seront après l'enchantement. D'abord, on attaquera l'enchantement, après les enclumes. Voilà, les enclumes qui sont là. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo pour le retour. Là, je vais faire pas qu'une vidéo, je vais en faire plusieurs. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À plus.